Et salut à tous et bienvenue sur ce Julink Live. Ce soir, on est à la cool sur un jeu que vous connaissez sûrement très bien puisque c'est un jeu très connu. C'est Rocket League, bien évidemment. Donc, salut à toi mon gars. J'espère que tu vas bien ce soir. Et du coup, ce soir, du coup, comme dit, voilà, on va jouer au KLM puisque du coup. Je suis pas sur mon PC, hein, je suis bien sur ma Switch toujours, hein, puisque Rocket League est sorti aujourd'hui sur Switch. Donc comme vous pouvez le voir, il arrive notamment avec son lot de petites surprises, notamment cette magnifique voiture aux couleurs de Mario. Donc j'ai à peine touché au jeu pour l'instant sur ma Switch, hein, bien sûr. Salut Shadowgirl, tu vas bien? Et oui, Rocket League. Salut Ben Potter. Et du coup voilà, donc c'est super, donc ce soir on va tester ça tranquillou, hein. Donc c'est un jeu que je connais de toute façon, que vous connaissez aussi. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est donc un jeu qui réunit deux trucs un peu beauf, à savoir le football et les gros espagnols, voilà. Et du coup on mélange les deux, et puis ça fait Rocket League. Mais c'est vachement sympa, c'est un jeu très sympa. Et moi j'aime beaucoup, j'ai passé pas mal de temps dessus entre amis, surtout sur PC. Et du coup là je trouve que c'est vraiment l'occasion de le prendre sur Switch. Salut MR, tu vas bien? Et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Trop gentil Shadowgirl. Et du coup voilà, vous allez voir, c'est très simple, hein, le principe, hein, c'est comme le football, mais avec des gros espagnols. Voilà. Donc le jeu tourne autour de ça. Et donc pour ceux qui sauraient pas, du coup j'avais déjà fait plusieurs lives sur Rocket League. Mes premiers pas sur Rocket League, je les ai fait en live en fait. C'était ce que j'appelais à l'époque les Julink Live découvertes. C'était des lives que je faisais pour découvrir des jeux en live. Et puis j'avais fait ensuite, il y a pas si longtemps que ça, je crois que j'avais fait un autre live PC aussi sur Rocket League où j'avais un peu plus de niveau. Voilà. Donc du coup je pars pas de zéro, hein, même si là je suis considéré comme débutant. Mais voilà, vous allez voir, de toute façon, on est là surtout pour discuter à la cool, hein, vous en faites pas. Du coup voilà, alors le jeu, ce qu'il faut quand même dire juste vite fait, c'est que du coup il propose ces petites surprises sympas. Et puis il y a aussi du cross-platform. Hein. Donc pour ceux qui voudraient jouer, c'est plus un accent belge, Ben Potter, mais je le fais mal. Parce que ça fait beauf, c'est tout. Cherche pas. Et donc du coup voilà, il y a le cross platform qui est comme une chose bien sympa qui permet donc de jouer avec vos potes s'ils sont sur PC et que vous avez votre Switch, et ben vous pouvez quand même jouer avec eux, et c'est quand même sympa. Moi je trouve ça cool. Voilà. Donc du coup on est parti, je pense. Tac. Donc on va commencer sur du standard, on va pas faire des trucs de ouf pour commencer en tout cas. Tu voudrais qu'on se fasse une belle partie? Une petite partie? Il est crossplay? Oui, tout à fait, Malvi. Eh ben écoute, ça peut être l'occasion. Par contre, le truc, c'est que pour le crossplay, j'ai pas encore trop regardé. Salut Nata, tu vas bien? Mario a volé une bagnole. J'ai pas trop regardé pour le crossplay encore parce que de ce que j'ai cru comprendre, alors vu que le jeu est tout neuf, j'ai pas encore trouvé d'informations, donc corrigez-moi si je me trompe, si vous avez plus d'infos, mais bon, j'ai un peu cherché, j'en ai pas trouvé. De ce que j'ai vu en tout cas, le crossplay il existe, sauf que il est, on peut pas jouer entre ses amis, c'est-à-dire on peut pas faire de groupe d'amis et partir ensuite en online. Ce qui fait que si on veut jouer en crossplay avec des amis, il faut obligatoirement créer une partie locale, enfin une partie privée. Ce qui fait que du coup on serait à 1 contre 1 si on faisait ça. Donc je sais pas si c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Par contre, s'il y a plus de monde qui veulent jouer, n'hésitez pas à vous proposer, il n'y a pas de souci. Non mais c'est une blague, c'est une blagounette Ben Potter. C'est, le prend pas mal. Du coup, allez, on est parti. C'est magnifique les écrans. Vous avez vu donc cette OST du jeu que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, il y a les petites musiques qu'il y a sur l'écran. C'est juste dommage qu'il y en ait un peu moins pendant le jeu. Mais en même temps, pendant le jeu, on se concentre plus sur le jeu, finalement. Donc voilà. C'est pas plus grave. 1v1, pourquoi pas. Bon, bah, si vous voulez, hein, écoutez. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, je vais essayer de me familiariser un peu avec les contrôles, même s'ils sont vraiment très proches de ceux qu'il y a sur PC, donc normalement je serais pas trop déstabilisé. Alors
Ah, c'est marrant, il fait le bruit. Elle fait le bruit de Mario quand elle. Quand elle saute. C'est bien sympa. Ah, est-ce qu'il marque? Est-ce qu'il marque? Ah, presque. Alors, faut trouver l'approche. Genre, par contre, j'essaie de me familiariser un peu. M'en voulez pas si. Ah. Ok, alors ce que j'ai fait. En gros, de la caméra, c'est un peu difficile. Hein. J'ai l'impression qu'elle part un peu dans tous les sens. Je suis pas trop l'habitude. Ah non! J'ai tapé mon coéquipier, c'est une mauvaise stratégie. Ok, ok. Alors là, par contre, c'est pas bon. Faut défendre. Alors, je suis désolé, je peux pas trop vous lire. Là, par contre, je suis concentré. Hop. Si on est 4, ça peut le faire. Oui, tout à fait, ça peut le faire si on est 4, mais faut qu'on trouve assez de monde dans ce cas. 1v1, j'avais jamais trop testé. Ouais, bon, c'est pas la folie 1v1, hein, je trouve. Je suis plus partisan des... Oui! Yes! Merci, merci. Je suis plus partisan des grosses parties à 3 contre 3, c'est pas mal, ou 2 contre 2 éventuellement. Hey Woody, I just got it this morning, I'm awful at it. No problem Woody. Practice makes perfect. Alors, donc Rocket League, c'est surtout de l'entraînement. C'est faut pas s'inquiéter si au début on fait vraiment du caca, parce que ça vient au fur et à mesure. C'est pas le jeu où on peut, enfin sauf si on est vraiment très talentueux, c'est pas vraiment le jeu où on peut vraiment être super fort dès le début. En tout cas, je trouve. Ouais, je vais essayer de modifier la caméra après le match, Ben Potter. Merci. Alors, oui, la balle. Donc c'est cool parce que par contre la caméra est toujours focus sur la balle, donc ça c'est un truc que j'aime bien, moi que j'ai fait aussi sur PC. Il défend. Ah, le vilain. Il est où là-bas? Ah, on défend pas. Non. Alors je sais pas si... Alors du coup, vu que c'est du cross-platform, je suis pas sûr que tout le monde voit ma voiture. Parce que j'ai essayé en fait de faire du cross-platform pour tester, hein. J'ai essayé avec mon PC. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mon PC, je voyais pas la voiture Mario. Je voyais... Oh non, purée, ça c'est bien joué de sa part. Je voyais juste une voiture basique en fait. Donc ils ont pas intégré les nouvelles textures sur la version PC, ce que je trouve un peu dommage. Ouh mon dieu! Il y a une belle ouverture là, heureusement que personne en a profité. Ok. Also, did you rebind any controls? No, I didn't. It was... it's just the same as on PC. Et deuxième but, yes! Ça va, donc j'ai pas trop perdu. On s'y fait vite, hein. C'est vraiment les mêmes contrôles. 2v2, c'est ce que je préfère, perso. C'est vite bordélique à plus de monde. Ouais, bah 3v3, c'est pas mal aussi. Mais après, plus que 3, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu trop. Genre 4 contre 4, j'avais déjà fait. Oh, elle rentre toute seule! Ah non. Ah si! Super! Bien joué! Ah, oh, bah oui, lui aussi il est sur Switch, vous voyez? Il a un icône de Switch. Donc lui aussi il est sur Switch. Je sais pas si ils vont nous mettre préférentiellement avec des gens de Switch. Je pense que oui. À mon avis, ils doivent nous mettre préférentiellement avec des gens qui jouent sur Switch. Voire peut-être même exclusivement avec, je ne sais pas. Mais oh mon dieu. Oh non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Je vois pas ce qui se passe. Elle est où? Elle est là. Ah! Pas panique, c'est bon. Ah, elle est là. Ah non! J'ai sauté. Oh! Oh, reprise de la tête, c'était parfaitement calculé. Pas du tout. Ah, mais ça, c'est pas gentil, ça. Il me pique la balle alors qu'il est allié avec moi. Bah alors. Ah bah zut. Ah bah diantre. Attendez, je vais tenter. Que dalle. C'est absolument pas. Ça n'a pas fonctionné du tout. Oh non! Ouf! On a encore eu de la chance. Excuse-moi, je suis un peu concentré. Ne m'en voulez pas. Alors, j'ai fait un truc totalement inutile. Ok. Et je me rate. Formidable. Non! Alors, heureusement pour moi, les gens en face ne savent pas viser. Elle est où la balle?
J'ai du mal. Elle est là. Oh non. Alors, vous avez vu cette performance, mais je suis... Je crois qu'elle rentre là. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Alors, en même temps, c'est... Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Regardez-moi ce skill extraordinaire. Bon. Pareil, ça se règle dans les options si tu veux jouer qu'avec ta plateforme. Ah, d'accord. C'est une bonne chose à savoir. Chance ou talent, je dirais plus manque de bol pour moi là. Et j'ai tapé la balle, vous avez vu, formidable. Alors attendez. Oh non. Ah c'était bien, ça c'est dommage, elle rentrait presque là. Bon de toute façon on est large hein, je pense, hein. Il y a 3-1. Pas vraiment de soucis à se faire, enfin je dis ça mais... Ouais. Tout va bien. Oh, elle est belle. Allez-y, centrez-la un peu. Yes, oui. C'est pas moi qui ai marqué, mais j'ai aidé. Regardez-moi ça. Tout le monde qui saute à côté. Bon, on voit que c'est des débutants aussi, quand même, hein, pour la plupart. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, moi... J'ai connu des jours meilleurs. Où? Alors là, j'ai pas compris. Elle est où? Elle est là. Bon là, en deux secondes, non. Mais j'aurais pu faire un truc là, je pense. Yeah, je suis un Mario. Voilà, et du coup, j'ai constaté aussi un truc. Donc j'ai regardé un peu, parce qu'il y a d'autres châssis comme ça qui sont disponibles. Et là, du coup, moi, j'ai eu le châssis Samus. Enfin, j'ai eu le châssis, pas Samus justement, mais le châssis Samus, on peut l'obtenir au hasard comme ça, comme celui que je viens d'avoir là, en fait. Donc il suffit juste de jouer un peu et puis normalement au bout d'un moment on tombe sur des châssis au hasard. Alors je vais quitter vers le menu principal puisque je vais régler un peu mes options. Donc là on fait des tests en live. Je suis vraiment tout frais là, hein. Vous voyez, j'avais zéro expérience. Enfin, en bas, vous voyez, le niveau du joueur. J'avais zéro niveau. Et du coup, donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on a accès au garage. Je montre quand même, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, et du coup, ici, on peut changer de son châssis. Donc, j'ai eu celui-là. Donc, je peux mettre celui-là comme châssis, si je veux. Et puis, donc, on peut personnaliser d'autres choses. On peut personnaliser les couleurs. Donc, vous voyez que quand je suis dans l'équipe rouge, je suis Mario. Et quand je suis dans l'équipe bleue, je suis Luigi. Je trouve ça vraiment sympa. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les roues, l'accélération, bon là tout va avec en fait, c'est un tout en fait pour la voiture Super Mario, donc j'ai pas grand chose à faire, mais voilà. Et du coup, voilà, on peut même personnaliser les explosions de but, donc ça c'est depuis il y a pas longtemps, on peut faire ça. Voilà. Donc ça c'est toutes les options de personnalisation, c'est bien sympa, hein. Et puis... Et puis voilà. Et donc on peut s'enregistrer ces presets. Donc là par exemple, tac, je vais me créer un nouveau preset. S'il veut bien. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, voilà, c'est preset 1. Voilà, tac, je le renomme. Et je vais l'appeler très originalement Mario. Comme ça au moins il est sauvegardé. Donc j'aurais pas besoin de... Là vous voyez par exemple, ça c'est mon premier preset, Mario. Tac. Et après, bah, j'en ai un deuxième que je peux faire autre chose avec, vous voyez. C'est comme ça que ça marche. Et sinon, alors on peut mettre une bannière aussi. Alors je crois que j'en ai pas pour l'instant. Ouais, donc j'ai un truc de base. Mais ça aussi, ça se débloque, hein, on peut l'obtenir. Donc c'est ce qui va s'afficher sous le titre du joueur quand on joue, quoi. Et donc l'avatar, c'est celui de la Switch. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les options. Parce que là, je parle, mais en fait, c'est les options que je voulais faire. Bon good, my favorite youtuber is the best à tout moot. T'as compris le jeu de mots? Je suis pas sûr, manga. Faut peut-être que tu me l'expliques. Alors, du coup, caméra. Par contre, c'est écrit en petit, je trouve, sur l'écran. Je sais pas si vous arrivez à lire. Hein. Moi, j'ai du mal, en tout cas. Bon, je suis un peu mieux un peu aussi, mais... Alors, champ de vision. Distance, hauteur, angle, rigidité. Peut-être ça. Ah, vitesse de rotation. Faut que je baisse un peu la vitesse de rotation. Mettre à 2, on va voir. Parce que je trouve qu'elle est un peu rapide. Faut dire que je suis habitué à la version PC, hein, mais bon. Ok, bon alors le reste, il y a beaucoup de choses, hein. C'est à vous de personnaliser selon, on va pas passer notre vie à faire ça. Allez, je refais un petit match en ligne. Pareil en standard, hein, on s'échauffe. Hein. Et puis après on fera autre chose. C'est bon, il recherche? Ouais, il recherche. Cool.
Mais ouais, si on arrive à trouver assez de monde, écoutez, on fait une partie, hein. Je suis chaud, hein, volontiers. Donc si vous, que vous ayez jeu sur sur PC, sur Xbox même, et ou pas sur PlayStation parce que il est cross-platform avec toutes les consoles sauf le PlayStation, parce que voilà, parce que PlayStation ne veulent pas faire comme tout le monde. Ouais, je préfère là, la caméra déjà, je préfère là, elle est mieux. Ok, je fais n'importe quoi, hein, pour bien démarrer la journée. Alors, la baballe, je... Voilà, ok, alors. En auto-tamponneuse, par contre, je suis très fort. Ouais, ça c'est... Oui, c'est pas du tout n'importe quoi. Allez. Non, ça c'est pas bon du tout. Ça c'est mal. Ça c'est interdit. Voilà, ça c'est très mal. Non. Elle est où? Elle est là. Mais je vise vraiment mal. Allez, on se concentre un peu. On va essayer de la centrer. Ouais, enfin, on va essayer, je dis bien. Voilà, un truc comme ça, c'est un peu pourri, mais ça passe. Ouais, ça passe bien même. Ok, je les ai feintés en fait, ils ont pas compris. Ils se sont dit, mon dieu, comment peut-on jouer si mal? Oh. Ah ouais, non, mais là c'est catastrophique. Alors, donc, je disais. J'ai explosé parce que je me suis fait exploser, littéralement, en fait. Parce que quelqu'un m'a foncé dedans à haute vitesse et on va se faire marquer. Ou pas. Heureusement, ça va. Ça se passe à peu près bien. Oh, cette remontée. Et non, toujours pas. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Elle est là. Elle est la petite flèche qui m'a dit où est la balle. Mais en fait, elle est pas centrée sur la balle. Je dis n'importe quoi, en fait. J'ai cru qu'elle était centrée, que la caméra était centrée sur la balle, mais non. Et j'ai quand même marqué. Oui. Julie qui roule sur le dos. C'est ça, moi je fais fi des conventions. Je roule sur le dos, regardez-moi ça, c'est formidable. Oh oui. Ça c'est beau ça. Alors là, excusez-moi du peu, mais je suis content. J'aime bien démarrer comme ça. C'est frais. Je n'ai aucun respect. Alors donc, ça va, je commence à reprendre un peu mes marques. Ouais, vas-y toi, vas-y, balance. Oh, mais purée. Oh. Alors là, par contre, ils se sont endormis en face, ou je sais pas. Parce que là... Ouais, il y en a qui s'en vont, là, du coup. Désolé. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait... Je sais pas si on peut savoir facilement... Ok, alors ça, c'était nul, par contre. Si on peut savoir facilement sur quel réseau joue... Chacun des gens qui prennent part à la partie. Oh non. Alors ça non, hein. Alors ça, tu... Non, hein. What? Non. Ah non. Ah ça, je refuse. C'est très le non. Mais c'est moi, je suis le seul à avoir une voiture Mario, c'est pas possible. À moins qu'elle s'affiche pas. Si c'est ça, c'est très nul. Parce que j'ai l'impression, en fait, les gens, ils ont une voiture normale avec une casquette Mario dessus. Donc c'est comme si ils avaient ma voiture, mais qu'elle s'affichait pas. Oh purée, oh c'était nul. Oh c'était trop nul, ça. Elle est où la balle? Ok, elle est là. J'enchaîne les buts, ouais. Là, pour le coup, oui, tout à l'heure, c'était pas mal. Je dois avouer. Oui, oh oui. C'est gentil, merci. Bon, ça va. C'était un peu chouchou au début, mais en fait, ça va. Et du coup, je me pose la question, est-ce que les autres voient mon apparence de voiture? Mince. Qu'est-ce que... Ok, c'est un peu l'embouteillage, là. Alors, faire un créneau, clignotant. Voilà, c'est bon. C'est un peu bouché sur le périph'. Alors, elle retombe, oui.
Par contre, j'ai encore du mal à... Ouais, en fait, la caméra ne suit pas la balle. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était le cas avant ou pas, ou si c'est juste que... C'est juste que... Alors... Ah ! Mais non ! Je crois qu'en fait, j'ai désactivé sans faire exprès le fait que la caméra suive la balle. Ah, mais oui ! Je crois que ça se règle, en fait, ça. C'est une touche. Je sais plus quelle touche c'est, mais c'est une touche. Il faut que je la retrouve. Ça, c'est pour regarder derrière, ça. Alors, c'est quel bouton ? Ah, mais voilà, c'est X ! Ah, le boulet. Donc là, ça va aller mieux, là, je pense. Voilà. Là, voilà. Là, on parle. Voilà. Oh oui, elle rentre. Paf. Oh, je suis dit ça allait, mais non. J'étais confiant. Oula. Ok, merci. Merci à toi. Attention. Et les buts de la... Buts des 3 dernières secondes. Non, pas du tout. Non, c'est non. Bon, tant pis. Regarde bien un des bleus et Luigi, donc oui ils peuvent le voir. Ah j'avais pas fait gaffe. Hein. Mais je croyais justement que c'était pas tout à fait. Bon c'est pas grave, je me rendrai bien compte de toute façon. Donc ouais. Un drapeau Unreal. Donc il y avait deux gens qui étaient en équipe. Parce qu'on peut le voir avec l'icône qui a près d'eux. Bon bah c'est cool. Allez, on dit une dernière encore avec ces réglages. Et puis d'ailleurs je fais la revanche, je suis tout seul contre eux. Et puis après, on va changer de mode de jeu si vous voulez bien. Voire même, je sais pas s'il y en a d'autres que Malvi qui veulent rejoindre. Mais ouais, il y a un autre mode de jeu que j'aime beaucoup sur Rocket League. Et je vais vous montrer juste après. Donc là, je suis côté bleu, donc je suis Luigi. Mais j'aimerais vraiment tomber sur, du coup, le vaisseau de Samus, parce que, mon dieu, qu'est-ce qu'il est classe. Oh, j'aimerais vraiment l'avoir. Oui, donc on peut avoir le vaisseau de Samus comme voiture, et ça pète le swag. J'aime beaucoup, en tout cas, la voiture, c'est à la fois son design, et les petits bruitages qui vont avec, c'est le plus bel effet. Oh, ce sauvetage! Yes! Ok, par contre là j'ai plus de boost, donc c'est embêtant. Ouais, c'est très embêtant. Si j'avais boosté... Alors là par contre... On va un peu... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Hop, on dégage. Ah, ils sont plus violents là en face, j'ai l'impression. On va avoir plus de difficultés à mon avis. Ouais. Ils sont un peu plus lagnac, je pense. C'est-à-dire, bon, pour l'instant, j'étais contre un peu des équipes pas ouf, mais là, j'ai l'impression que ça se... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Défends, oui, bien. Alors là, par contre, Ouh là là, je fais nimp. Je vais plus défendre, tiens, hop. Non ! Mais non ! Bah voilà. La catastrophe. La catastrophe. Mais je pense que, à mon avis, là... Bon, je vais rien dire, je vais pas faire de plan sur la comète. On va voir comment la partie va se passer, mais... Je la sens pas terrible, là. Hein. Oh. Oh, c'est pas mal, ça. Oh non, presse. Mais presse, j'aurais pu faire un truc de ouf, là. Bon. Les voitures ont des stats ou c'est juste l'apparence? Non, c'est juste l'apparence. En fait, bon, pas tout à fait. Si tu veux, en fait, il paraît que la hitbox n'est pas tout à fait la même selon la voiture que tu prends. Quand tu prends une voiture plus grosse, tu vas avoir une plus grosse hitbox. Donc en fait, pas tout à fait, de ce que j'ai cru comprendre. Mais ça reste à confirmer encore, ça. Je suis pas sûr à 100%. Ah, mais non, mais casse... Oh, d'accord. Je crois qu'elle rentrait. Oh, elle rentre peut-être là. Oui. Oh oui, très beau. Bon, j'ai servi à rien, mais j'ai assisté à l'action. Ah, bah déjà quelqu'un qui part. Ouais, bon, il y a l'un de leurs coéquipiers qui part. On voit pourquoi, pourtant il y a égalité. Donc, y a pas vraiment de raison, mais je mets en def un peu tôt parce que ça peut être une stratégie hein, de rester en défense.
Des fois, ouais, bon. Je suis très utile. Regardez-moi ça. J'ai servi à ça. Bon allez, cette fois je fais un truc. Ouais, rater la balle c'est pas mal, ça je sais faire. Ça je suis pro là-dedans moi. C'est mon domaine d'excellence. Alors là par contre, non. Ça, non. Hein. Ah, Maluigi. Voilà, on tape la balle. On tape la balle. Alors je sais pas dans quel sens ni quoi que ce soit, mais on la tape. C'est super. Oh, oh, oh les belles. Oh les belles. Je vais la voler. Ok, non. Il m'a pas laissé la voler. Je pense qu'il y a aussi Waluigi. Je n'ai pas vu Waluigi, Ben Potter. Mais bon, à mon avis, non. Je crois, de ce que j'ai vu, il y avait juste Mario, Luigi et Samus. Après, bon, je pense qu'ils vont sûrement en rajouter d'autres après. Hein. Ça me paraît très, très possible. Oh purée, il y a de la violence. Violence policière, il y a des gens qui se font exploser. Alors lui, oh là là, oh là là le skill, oh là là. Ouais bon, par contre, moi pas, hein. Par contre moi... Ah non mais d'accord, ils nous tendent des trucs dans les airs et tout, dans les airs. Ils nous font des barrel rolls. Ouais, ouais non mais... Oh, bel arrêt. Bel arrêt quand même, là, même s'ils sont en face de moi, je dois swinguer. Ah oui, d'accord, donc là, en fait, j'ai servi à ce qui marque, là. Voilà, je suis... C'est une catastrophe. Bon. C'est pas grave, hein. J'ai la chance d'être avec des bons joueurs, donc... tant mieux, ma foi. Hein. Parce que là... à quoi je sers. Oh, vous êtes témoin, j'ai touché la balle. C'est un grand moment. Non mais en fait on assiste au match, on est aux premières loges pour assister au match en fait, j'ai l'impression. Ah mais non, mais qu'est-ce que... Alors déjà je suis pas une balle, bon d'accord, ni une bombe non plus. Alors non. Alors non. Voilà, j'ai dit non. Mais non, mais ils veulent mon boost. Remarquez que je suis un fan de boost. On récupère tout le temps pour le gaspiller. C'est un peu mon truc à moi. Ah, non, c'est un fail. Voilà, et maintenant j'ai plus de boost. Je vous avais dit. Mais qu'est-ce que... c'est vraiment mauvais. Bon après, pour ma défense, ils font des petites feintes quand même. Hein. C'est pas... C'est très difficile de lire dans leur... Mais non, mais il le fait exprès, lui, hein. Il le fait exprès. Alors, il y a beaucoup de monde. Oh. Eh ouais, eh ouais. Eh hé. Tu t'y attendais pas à ça, hein. Allez-y, vas-y, fais un centre. Ouais, un centre. Ouais, mais il est trop rapide, ton centre, mec. Ah, d'accord, j'ai le boost. Ça ne sert à rien. J'ai tenté, ouais, mais ça m'a servi à rien. Bon, c'est pas grave. Si elle continue comme ça, oui. Alors, de 1, je suis pas une dalle ni une bombe non plus. Alors, 8 secondes, 8 secondes, tout est joué ou pas, ou tout, ou rien. Oh oh oh, non. Oh, oui. On tente des trucs. Bon, voilà. Donc en fait, la dernière seconde, on s'arrête que lorsque la balle touche ça. Donc voilà, on admire ma non-utilité totale. Hein, j'ai 120 points, bon ça va. Et le gars en face, il y en a un, il a que 20 points, donc je m'en sors bien. Hein. Mais bon, clairement, j'étais en dessous de certains autres joueurs de mon équipe. Bref, du coup, c'était du classique, et du coup, nous avons fait autre chose, un autre mode de jeu, parce qu'il n'y a pas que le mode de jeu classique sur Rocket League, heureusement, il y a d'autres choses un peu plus fifoles. On peut faire
donc du standard, ce que je viens de faire, ou bien, donc il y a le double, le duel, le KO. Le double, c'est à 3, c'est à 2, pardon, 2 contre 2. Duel, donc c'est ce que j'ai dit, c'est du 1 contre 1, bon, c'est très tendu comme, comme façon de jouer, en fait, c'est très, très stressant, je trouve, parce que la moindre erreur est fatale, en fait, puisqu'il n'y a pas d'équipe pour rattraper le coup. Et le KO, ben, ça porte bien son nom, parce que c'est 4 contre 4, et ça part dans tous les sens, quoi, c'est quasiment ingérable. Voilà, et du coup, il y a d'autres modes de jeu qui sont un peu plus, un petit peu plus à la cool, on va dire, qui sont le drop shot, le rumble, le jour de neige, le panier et le Rocket Labs. Donc le Rocket Labs, c'est un truc pour essayer les nouvelles arènes un peu expérimentales de Rocket League. Et les autres modes de jeu, c'est des modes de jeu qui ont fait leur preuve. Donc il y a le drop shot qui est un mode qui ressemble un petit peu à la balle aux prisonniers, mais pas tout à fait, parce qu'il faut pas... ça sert à rien, ça, c'est pas, le but c'est pas de toucher les autres, mais c'est d'exploser le sol en fait, et de faire en sorte que la balle traverse le sol une deuxième fois. Enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est un mode de jeu sympa en fait, où... consiste à faire rebondir la balle au sol, donc le but c'est de l'empêcher de toucher le sol. Le Rumble, qui est mon mode de jeu préféré, on va aller dessus, et le jour de neige et les paniers, donc panier basiquement c'est du basket, hein. Et jour de neige c'est comme le mode classique, sauf que le terrain c'est de la glace, et que la balle c'est un palais, donc il y a quelques propriétés qui changent, et ça peut être rigolo. Voilà. Et du coup on va faire du Rumble, et je vous laisse la surprise pour le Rumble, bon, sauf ceux qui connaissent bien sûr, hein. Mais voilà, moi c'est mon mode de jeu préféré et j'aime beaucoup y jouer, notamment entre amis, c'est très fun. En plus là ça va complètement aller avec ma voiture Mario puisque ben en fait c'est du Rocket League, allez je vous cache pas plus longtemps la surprise, c'est du Rocket League avec des objets. Donc ça va faire comme Mario Kart, du coup. Du coup c'est Luigi, mais ça revient en même. Alors non, tu fais pas ça! Oh voilà, il m'a fait le même coup que tout à l'heure. Je suis très triste. Ouais, bon. J'ai tenté, hein. Vous êtes témoin, j'ai tenté, mais j'ai raté. Bon, c'est pas bien, c'est vilain. Donc je disais... Mais Waluigi! Mais Waluigi! Alors le mec s'appelle Waluigi quand même. Qu'est-ce que... Ouh, le bel arrêt! Ouh, le bel arrêt! Alors du coup, ça, c'est un objet. Je peux avoir des pics, mais je l'ai pas gardé longtemps. Comment ça se fait? Oh, j'avais pu. Bizarre, je vais me faire frapper ou je sais pas. Normalement on est censé garder plus longtemps. Donc voilà, vous voyez, il y a des objets qui provoquent des trucs différents. Wow. Donc là par exemple je me suis pris un objet qui me fait accélérer. Je peux pas m'arrêter. Voilà, et là j'ai un autre objet qui arrête la balle dans les airs, s'il vous plaît. Arrêtez d'être dissident. Voilà, et donc voilà. Et ce mode de jeu du coup il est un peu chaotique, puisque ça part dans le sens aussi. Hein. Forcément. Ok, si tu veux. Ah, non, mais. Oulala, là là, heureusement on a un bon gardien, c'est cool ça. Alors, déjà, non. Alors, non. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien ce mode. Après, il faut quand même garder la tête sur les épaules parce qu'on très vite on peut être submergé par l'action et pas comprendre du tout ce qui se passe. Alors là, j'ai une ventouse, c'est une arme très puissante, vous allez voir pourquoi. Et hop là. Et je me rate, dommage. Mais là, la technique, c'est de faire un truc comme ça avec la ventouse. Ça marche bien en général. Quand j'aurais appris à jouer. Bon, bon, bon. C'est pas fou, là. Pour un but dès le début. Deux buts, déjà, même. Deux buts. Point, point, non, mais non! Voilà, quand même, hein, on va arrêter des bêtises. Voilà, et du coup, là j'ai mis mon truc qui me permet d'être. Attends, pourquoi ça marche pas? Ah, mais non, c'était la botte! J'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai fait n'importe. Voilà, avec mon objet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah, et ça fait peur ça! Oh là là. Donc oui, vous avez vu, il y a une tornade, enfin... Je sais plus dans quel sens je pars, c'est... catastrophe... Non. Non, je vais marquer pour mon équipe. Bonjour. Alors là, je vais dire... Non. Voilà, là ben, magnifique but, hein. Vous avez vu ce but que j'ai fait, ben... Il était pour mon camp. Voilà.
Ah, faut quand même qu'on se rattrape un peu là, parce que là c'est déplorable. C'est. Mais non! Mais je l'avais placé comme il faut, c'est juste que j'avais plus de boost. Donc voilà, donc lui par exemple, je l'ai fait exploser parce que j'ai mis un truc qui me rend invincible, enfin qui me rend. Qui fait en sorte que j'explose au contact les gens. Parce que je suis comme ça, et parce que et avec ça aussi je tape très fort dans la balle. Si je la tape. Et là je l'ai pas tapé, donc ça m'a pas fait. Oh mais non purée, j'ai failli la défendre. Bon là c'est un rect. Très dommage. J'ai failli défendre mais il a utilisé son objet. On peut pas tout gagner hein, de toute façon. C'est la vie hein. Hop, voilà, et non, il défend, c'est pas gentil. Bon, toi tu vas rouler vite, voilà, ce que j'ai envie. Non. Et voilà, et du coup, oh purée, belle défense. On a quand même un bon gars qui défend, un bon gardien. Alors lui par contre non, lui a marqué pour son camp, c'est pas bien. Donc si on est deux à marquer pour notre camp, on joue en 5 contre 1. Magnifique. J'ai un peu le sentiment aussi d'avoir pas une équipe de ouf, hein. Sans vouloir être... Enfin, sauf le gardien est bon. Mais l'autre, je ne sais pas. Ok, là j'ai un truc pour me téléporter, donc c'est complètement inutile. Actuellement en tout cas. Là par contre c'est utile, parce que je vais me mettre à place et du coup... Voilà, et lui il va essayer d'atteindre le but comme ça. Mais il se rate, donc ça va. Là j'ai un pied où je peux booter les gens, frapper les gens avec pour les éloigner de la balle si je veux. Et là je me rate. Ok, d'accord. Mais non. Ah, ils sont hargneux comme pas possible. Au moins qu'on marque un but pour sauver l'honneur, ce serait quand même bien. Je fais des concessions hein, comme je peux. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Non. Oh. Bah oui, mais forcément, ils ont tous des objets de cheat. Ça devient compliqué. Mais bon, au vu des trucs qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils sont vachement haut niveau. Je sais pas si on peut voir leur niveau en fait. Raté. Ouais, j'ai fait un arrêt avec ça. Ok, d'accord. Des centres là, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, purée. Bon, c'est un échec, je pense. Ouais. C'est un échec. Non, on veut pas gagner à tous les coups. Hein. Je crois que je vais refaire une partie parce que c'est un peu trop triste là, quoi. Bon, bah, je suis quand même premier dans l'équipe, hein, donc bon. Voilà. Alors, tout le monde a voté, oui. Du coup... Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah oui, il y a lui qui est devant là. Ok, c'est bon, il part. Voilà. Là on est en mode entraînement en attendant. Nul. Ouais.
formidable, hein, je joue à la baballe. En tout cas, voilà, le jeu est à 20€ sur le shop, ce que je trouve tout à fait honnête. Bon, après, du coup, vu que c'est sur Switch et que la Switch est ce qu'elle est, ben, moi, j'étais un petit peu désagréablement surpris par les graphismes, puisque sur mon PC, forcément, c'est beaucoup plus joli. Mais en fait, il suffit d'y jouer un petit peu et on s'y fait très vite. Hein. Et puis, ça, c'est juste, faut juste prendre l'habitude. Mais en fait, ça va, hein, c'est très... très suffisant. Et puis en plus, surtout, il y a le gros avantage de la Switch qui est de pouvoir jouer donc à Rocket League. Ok, tu as, vas-y. Alors il a dit qu'il avait la balle, donc je le laisse faire. Le gros avantage de la Switch, bien sûr, c'est de pouvoir y jouer en portable où on veut. Et ça, c'est une première pour Rocket League, du coup. Sauf évidemment avec un PC portable, mais même là, c'est quand même pas aussi portable. Qu'est-ce que... Ah ouais, alors je suis fait TP ailleurs et du coup, je l'ai tapé de façon pas du tout comme il faut. Ah non, très mal. Très bien. Oui, là il y a une ouverture là. Là il y a une ouverture. Yes, vas-y. Ah purée, il a été gelé. Il faut être très réactif hein, sur ce mode de jeu. Aïe. Contrôleur de saucisse. Alors je refuse qu'un contrôleur de saucisse me mette un but enfin, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En même temps, mais regardez ça, il est niveau légende. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je suis débutant. Pourquoi est-ce qu'ils me mettent contre un contrôleur de saucisse légendaire? C'est pas du jeu ça. Moi je veux affronter des contrôleurs de saucisse normaux. Pas des légendaires de ouf quoi. Et sinon. C'est bon, quoi. De toute façon mes saucisses sont en règle. Monsieur, voilà. Elles ont pas dépassé la date limite, je vous assure. Sont des saucisses tout à fait homologuées. Alors, oui, alors non, parce que non, on ne me tape pas. Oui, oh, ça c'est beau, ça c'est une ouverture. Il s'avance et il rate. Formidable. Alors, donc, ne perdons pas espoir. Je vais accélérer. Oh, c'était beau ça. Il a intercepté. Est-ce que... Oui. Das Grosse EI. Très bien. Ah oui. Oh purée, le team play. Le team play. Donc il y en a un, il a agrippé la balle et l'autre l'a tapé avec le point. C'est du gros jeu. Alors moi je suis à 20 points là par contre. C'est une catastrophe. Non. Ah, il s'est raté! Il a voulu faire le kéké, il s'est raté! Bon, moi aussi, cela dit, mais. Moi, je me suis raté avec classe. Non! What the fuck? C'était chaud! C'était très chaud! Ah! Alors, oui, excusez, j'ai quelques effusions quand je joue à ce jeu-là. Ah non, vous m'avez peut-être pas connu aussi à fond dans des jeux, mais je vous assure que ça m'arrive. Ah oui, ça c'était beau, ça c'était joli, ça c'était pas mal. Par contre là non, là c'est interdit, ça c'est le non. Alors pourquoi est-ce qu'on me met tellement de boost? J'ai pas besoin d'aller aussi vite. Ah mais ça c'est bien ça j'aime, ça c'est pas mal ça. Ça on aime, ça c'est bien ça, regardez. Ah il arrive à contrer quoi. Pas possible. Tu parles de quel genre de saucisses? Alors des saucisses de type viande. De type chipolata merguez. Saucisses blanches. Et autres. Charcuterie. Voilà. Alors nous allons tenter le coup du fail. Mais j'arriverai jamais à placer une ventouse, c'est pas possible. Oh purée, et il m'a fait peur là. Hein. Non, pas les pics. Oui, bien. Je crois que j'ai défendu. Alors, par contre, non. Alors, si j'ai du boost, je peux tenter les pics. Et si j'ai pas de boost, ça servira à rien ce que je fais. Bon. Super. Il y a quand même un spectre qui vient et qui dab. Hein. C'est le non-respect à son paroxysme. Mais c'est des gens qui ont une expérience de ouf, là. C'est pas possible.
Est-ce que c'est vraiment des gens qui jouent sur Switch? À mon avis, non. Hein. J'en doute très fort. Ne t'inquiète pas, Ben Potter. Je ne suis pas de ce genre-là. Alors non, alors non. Mais purée, mais non, mais contrôle de saucisse, quoi. Ok, bah salut Ben Potter. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Bon, alors vous noterez le progrès par rapport au live. Par rapport à la partie d'avant. C'est que, au moins, on a marqué un but. Et ouais. C'est ça le progrès aussi. À savoir, toujours aller de l'avant. Ah oui, mais en fait, je me suis trompé d'objet. Purée, mais je suis vraiment à la ramasse. Donc, pour ma défense, j'ai eu une longue journée, comme d'habitude. C'est lundi, c'est mardi. Ouais, preuve, j'aurais même importé dans le long jour. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Bon, bah merci d'un gros EI qui a encore sauvé la game. En tout cas, essayé. Je l'ai, ok, bah vas-y. Ouais, bon, je vais quand même partir de ce côté, moi. Tac. Hop là. Ok. Contrôleur de saucisse. Le contrôleur de saucisse. Oh les belles. Oh les belles. Oh non. Dégoûté. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Oh là 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 là. J'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Ah j'ai le point. Ils sont toujours devant, hein. C'est terrible, c'est une catastrophe, ils sont toujours devant quand il s'agit de marquer. Oh là là, pas d'ouverture là. Yes. Oh oui, t'as de grosse EI. C'est tendu là. C'est très tendu, du coup il reste 8 secondes et on a égalité. Donc à mon avis, il va y avoir des prolongations. Reste en def, reste en def, reste en def, reste en def. Ah non! Oh purée! C'est bon, c'est bon. Bon. Du coup. Je fais quoi, je suis en def? Mais non! Putain! Je suis pas très bon. Je suis en train de... Ok. On va essayer de s'en sortir. Ouais, je dis ça, mais là... Ah, voilà, bon. Nul! Et oui, mais moi si j'avais une ventouse, ça aurait été facile aussi. Hein. J'aime bien la ventouse. Bon, c'était pas trop nul. Ça allait, mais j'ai encore une fois rien fait. Hein. Je suis mis avec des équipiers trop abusés pour moi. Bon. Bah écoutez, c'était Rocket League. Je pense que c'est pas la peine que je joue encore 3 heures, vous avez compris le principe du jeu. Donc voilà, écoutez, c'était un petit live à la cool, très rapide, je vous avoue, mais juste voilà pour la forme, pour dire que je vais toujours bien, et pour profiter donc de marquer le coup de la sortie de Rocket League sur Twitch. Et puis du coup, ben voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le choper, et si vous êtes amis avec moi-même, nous pourrons faire des joutes endiablées. Dans des gros espagnols. Et puis sinon, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous sur un prochain live qui aura lieu, je pense vraisemblablement dans un petit moment, puisque là du coup il va y avoir une petite période de pause, je pense, puisque du coup Mario Odyssey j'avance bien, hein, je l'ai presque terminé à 100%, mais bon il me reste encore un peu à voir. Mais je suis en bonne route d'ailleurs. Je vous conseille vraiment à tous ceux qui ont terminé Mario Odyssey d'aller jusqu'au bout, parce que la toute fin. Celle qui a encore, enfin la toute fin, celle qui a encore après la fin scénaristique,
est grandiose. J'ai adoré ce moment, il était magnifique, vraiment. Et puis bon, après, il est technique aussi, très technique. Ça met à l'épreuve, mais ce dernier niveau est génial, vraiment. Et du coup, voilà. Du coup, ouais, donc je disais, le prochain live, ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour dans à peu près 2 semaines, je dirais, donc le temps de un petit peu jouer à Rocket League, et beaucoup jouer à Mario Odyssey, surtout. Et puis on se retrouvera, je pense, sur Xenoblade 2. Voilà, donc début décembre. Le 1er décembre, pour être précis. Si tout va bien. Bon, Xenoblade 2, je doute fort d'y jouer entièrement en live, parce que c'est un truc de ouf. Mais on fera, je pense, quelques lives hein, dessus. Surtout si on verra si ça intéresse ou pas, mais moi, en tout cas, je pense que je vais faire au moins 2-3 lives dessus. On verra ce que ça va donner, mais voilà. Voilà, et puis bien évidemment, juste après, il y aura le Season Pass de Breath of the Wild qu'on attend tous, et moi le premier. Voilà, allez du coup, excellente soirée à vous, merci d'avoir été là ce soir, ça fait toujours plaisir, et à bientôt sur les Julien Clive, allez ciao, et bon mois de novembre à vous.